Eh bien, salut tout le monde les gens, comment allez-vous? Moi, ça va nickel, j'espère qu'il en est de même. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de mon let's play sur Lego The Hobbit. Et attendez, je voudrais mode écran partagé. Configuration, les manettes, ça va être là-dedans. Non, des contrôles. Je voudrais juste. Zone morte de la manette, c'est quoi ça? Ah oui, voilà, accepter. C'est bon ou pas? Ouais, ça m'a pas l'air d'avoir changé grand-chose. Ouais. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de mon Let's Play sur Lego The Hobbit. Très heureux de vous retrouver, les amis. J'espère que vous avez apprécié le premier épisode. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et dans cet épisode, on va aller voir Bilbon. Et c'est toujours un plaisir. Je tourne le même jour, hein, donc on n'est pas en face caméra. Hein. Finalement, je pense que je ferai pour l'épisode 5, 15, 5, 10, 15. Et les derniers, bah, je crois que ça tombe sur le 19 au niveau de l'histoire. Écoutez, je vais pas faire du full face cam, je pense que ça sert pas à grand chose. En tout cas, les amis, on se rend à notre objectif. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur ce jeu. On est parti. Les hobbits sont des créatures tout à fait curieuses. Ils sont courageux et robustes, mais se passent difficilement de leur confort domestique. C'est ici que commence toute l'histoire de Bilbon Saké. De Besace. Vous savez, certains s'interrogent à votre sujet. Ils trouvent que vous devenez bizarre. Bizarre? Oh. Je ne suis plus le hobbit que j'étais. Excusez-moi, je vous connais. Je m'appelle Gandalf. Gandalf, pas Gandalf, le magicien errant qui faisait de fantastiques feux d'artifice. Ainsi, vous êtes encore en activité. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Quoi? Non, 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 je regrette. Nous ne voulons aucune aventure ici. Bonne journée. Voilà pour vous servir. Bilbon Saké, pour vous servir. Nous nous connaissons. Non. Où est-ce, mon gars? Ok. Par là. En gros, des nains s'invitent chez Bilbon. Et attendez. Ok. Donc des nains, donc lui s'appelle, lui c'est Dwalin, c'est ça? Ouais voilà, lui c'est Dwalin. Oh, une clé, c'est magique. On prend la clé et on l'insère, comme toujours. Et attention, bam, voilà. Donc nous voici chez Bilbon. Hop, allez. Non. Ah d'accord, faut construire le sol. Je n'avais pas vu. D'accord. Et c'est un niveau très sympathique celui-ci. Dans la jouée, la bonne humeur. Je peux le défoncer maintenant. Voilà. On récupère plein de petites choses fort sympathiques. Balin, pour vous servir. Oh ha, ha. Bonsoir, mon frère. L'ennui, c'est que je ne vous connais pas le moins du monde. Et oui, en voici un nouveau, donc Balin. Lui, je l'aime bien. Et on va retourner là-bas. Ah oui, mais non. D'accord. En fait, je vous dis, il y a une zone secrète dans le niveau. Mais on peut la faire que en mode libre. Avec le personnage adéquat. Mais il y a un truc quand même là. Donc si on peut revenir et qu'on a le bon nain, on reviendra. Mais pour le moment, nous, ça continue dans la pièce et c'était là. C'était où? Ah non, c'était là, voilà. La porte s'est enfin ouverte. Hop, donc pareil, il y a pas mal de trucs qu'on va pas pouvoir faire pour le moment. S'il y a rien, ça se casse. Non, ça se casse même pas. Ça par contre, ça se casse. Ça également. Ah oui, c'est vrai que dans ce niveau, il y a trois petites cartes
à reconstruire. Ok, donc on... Alors, on va y en avoir une là-dedans, une petite carte. Voilà. Tout à fait, de surcroît, on casse tout. Donc là, on est chez Bilbon, il fout le bordel, hein, très clairement. Et on entend quelque chose qui mijote. Enfin, ça en a tout l'air, du moins. Ok, on peut pas aller là. Mettre la chaise. Des morceaux de toile. Hop. Voilà, donc là on apprend qu'il y a d'autres nains qui vont se ramener. Ça doit réjouir Bilbon, il met sa... il saccage sa maison. Mais il est content quand même, on va dire. Parce que voilà, il se fait des amis, tout ça. Ok, faut construire l'item qui nous permet de crafter. J'ai tout ce qu'il faut, hein. Très clairement. Alors qu'est-ce qu'ils veulent? Hop, hop, ok. À partir de là par contre, enfin, ça fait longtemps que j'ai pas fait les niveaux en fait. Ouais, c'est ça. Ok, là j'ai chaud, hein. Ça va être chaud pour avoir les 20 000, on les aura pas. Le petit machin, le petit T, le petit tac, le petit... Oh oui, oh on a eu les 20 000. Faites attention, je viens de les faire affûter. Où veux-tu la mettre? Monsieur Douala. Il y en a d'autres. Il a dit qu'il y aurait à manger, et en quantité. Il a dit... Mais qui a dit? Ok, donc on doit leur ramener à manger et en quantité. Et avec nous, on a Philly. Donc Philly, c'est le blond. Ok. Et il a un arc. Du coup... Non, faut pas un arc en fait. Pour changer d'arme, c'est comme ça. Ah, c'est... Non, c'est pas lui qui a un arc en fait, c'est l'autre. Ok, donc on peut lancer des petites flèches. Donc on a une saucisse, c'est pour qui la saucisse? Ah, c'est pour là, ok. Il manque. Ok, on peut spammer les flèches un peu comme... comme un sagouin. Hop. On récupère les petites pièces. J'ai pas pris le fromage? Je l'ai pas ramassé. Si, je l'ai ramassé. Bah. On se place. On attend qu'ils nous disent X. Bordel! Vous savez quoi? Hop là. Et il manque la bouteille qui se trouve tout là-haut, donc on va avoir besoin de ce nain. Et là, voilà, c'est le... ça cache tout. Non? Ah d'accord, il y a tout qui disparaît. Hop, mais attendez, la troisième carte elle est là. Yeah! Voilà, et on obtient un mini-kit, ce qui est toujours sympathique, écoutez. Hein. Hop là. Et je pense qu'on va avoir le droit à une autre cinématique. Mon cher Bilbon, que diable vous arrive-t-il? Que m'arrive-t-il? Je suis envahi par des nains! Que faut-il ici? Et ils font une très joyeuse assemblée! Quand on s'est habitué à eux. Ah, Killy, Philly, Ravi. Ruin, Ruin, Boilin, Balin, et Furbeau, Furbondure. Non, 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 merci. Je ne veux pas m'habituer à eux. Regardez l'état de ma cuisine. Oui, vous avez raison, Bifur. Il semblerait bien qu'il nous manque un nain. Je suis désolé de vous déranger, mais qu'est-ce que je dois faire de mon assiette? Moi je sais, Ori, donne-la-moi. Ok, là ça va être un niveau musical. Ok, le but c'est d'aller le plus vite possible. Ah non, c'était pas comme ça sur la Xbox.
C'était pas comme ça. Pas exactement du moins. Enfin, il me semble, hein, ça se trouve, je dis des conneries. Ok, plus tu le fais près du cercle, plus t'as de pièces. D'accord. Ok. Hop, ah. Ok, donc ça c'est simple. Il suffit d'être attentif et de connaître ses boutons, et c'est bon. Ok. Ils font des passes avec la vaisselle. Hein. En vrai, c'est totalement impossible. Elle casse avant. Je crois que c'est la première fois qu'on a un Y. Et donc là, vous voyez, on reconnaît un peu l'humour Lego. C'est vraiment n'importe quoi. Dans le film, c'est comme ça aussi, mais c'est moins... C'est un peu moins gamin. Ils se passent juste la vaisselle, ils font pas comme ça. Et on a Maître Cramboyoleur. Ok, c'est quand on réunit la barre en haut. C'est lui. Gandalf. Bilbon Sacquet, permettez que je vous présente le chef de cette compagnie. Thorin, écu de chêne. Alors, c'est le Hobbit. Dites-moi, monsieur Sacquet, vous êtes-vous souvent battu? Je vous demande pardon. Tous et les nains des monts de fer, qu'ont-ils dit? Daïn est avec nous. Ils disent que cette quête est la nôtre, et seulement la nôtre. Vous vous lancez dans une quête? Loin à l'est, par-delà des monts et des rivières, la montagne solitaire. Quand on verra les oiseaux d'antan à Erebor s'en retournant, le règne de la bête prendra fin. Oh, quelle bête? Le dragon Smaug n'a pas été vu depuis 60 ans. Les immenses richesses de notre peuple sont peut-être sans protection désormais. Bonjour, Liguette, vous la prenez forte et scellée. On ne peut pénétrer dans la montagne. Et cela, mon cher Balin, n'est pas tout à fait vrai. S'il y a une clé, il doit y avoir une porte. La réponse est cachée quelque part sur cette carte. La tâche à laquelle je pense exige une grande discrétion. Donc il faut un cambrioleur. Et un bon. Un expert, j'imagine. Les hobbits ont le pas extrêmement léger. Et alors que le dragon est accoutumé à l'odeur d'un nain, celle d'un hobbit lui est totalement inconnue. Donne-lui le contrat. Non, non. C'est un contrat classique, remboursement des frais personnels, temps requis, rémunération. Prise en charge des obsèques, etc. Prise en charge des obsèques. Ok les amis, donc on a fini le niveau. Une fête inattendue, je l'ai déverrouillé, voilà, voilà. 100% maître cambrioleur. Mini kit, de nouvelles choses sur la carte de la Terre du Milieu. Ah ouais, ça se débloque très vite quand même. On va continuer l'histoire, voir s'il y a une cinématique. Cher ami, je n'ai pas douté de vous un seul instant. Ok, voilà les amis, on se retrouve en mode... En mode comment? En mode libre, en open world quoi. Et on va s'arrêter là pour cet épisode numéro 2 de Mon Let's Play sur Lego Lego Hobbit. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Donc voilà, c'était un niveau très sympathique. Une petite fête s'est organisée. Et ça, c'est quoi? Ah oui, ça c'est pour rejouer le niveau. Et les points d'interrogation qu'on peut observer sur la carte, ce sont des quêtes. Ceci, ce sont des plans. Comment? Ah, et on voit les items que c'est. Ce sont des plans pour faire des objets en mithril. Ça, c'est des briques en mithril. Ça, c'est des personnages à acheter. Les quêtes en rouge, c'est quoi? C'est pour, c'est des quêtes à briques rouges, tout simplement. Et les briques rouges, ce sont d'autres,
briques qui nous permettent... attendez, ce sont les extras en fait, voilà, briques rouges, qui nous permettent par exemple d'avoir deux fois plus de pièces, ça peut aller jusqu'à 380, je sais plus combien, je suis peut-être de la merde. En tout cas les amis, on s'arrête là pour cet épisode du Hobbit, je m'en sais vraiment, je vous dis allez, à plus tout le monde pour de prochaines vidéos, salut!